Yo les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de Beyond Two Souls. Comme vous le savez, du coup, si vous avez vu l'épisode 4, nous étions dans le condenseur, ce laboratoire horrible où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à gérer ce qu'il y avait autour. Il y avait légèrement des petits screamers. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir gérer le fait de faire la suite de ce condenseur seul. Donc, j'ai fait appel à mon grand frère pour venir m'aider. Ou peut-être pas. Du coup, vous le connaissez déjà, peut-être t'as fait quelques lives avec moi sur ma chaîne. Et t'étais chez moi pour quelques jours et il fallait que tu sois là pour soutien moral. Enfin, même pas soutien moral en fait, parce que c'est toi qui vas jouer. À la base, je pensais être là pour soutien moral et apparemment c'est moi qui joue, j'étais pas au courant. Voilà, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment, il le sait d'ailleurs, t'as grandi avec moi, un gros problème avec les screamers et je me suis dit, si jamais c'est lui qui a le casque... Bon, en soi, je pourrais jouer si c'est toi qui a le casque. On va inverser, on va voir. Mais je me suis dit que faire l'épisode en duo avec mon frère qui, du coup, suit la série... Mais je découvre le jeu avec toi. Oui, c'est que je n'ai jamais joué avant, je n'ai jamais vu de let's play autre. Je découvre en même temps. Voilà, vous, en fait. Donc on va découvrir tous les deux. Ce sera intéressant. Tu t'éviteras de hurler. Et voilà, c'est ça, c'est lui qui va avoir le son. Du coup, je ne hurlerai pas. Voilà. Est-ce que t'es prêt, du coup? Toujours. C'est parti. Du coup, souvenez-vous, l'épisode d'avant, je m'étais arrêtée devant cette grande porte. Voilà, t'es avec Aiden, du coup, voilà. Devant cette fameuse porte, et je me suis dit, ça sent mauvais. De l'autre côté, ça sent mauvais. Donc voilà, maintenant, c'est lui qui a le son, et moi, je ne fais que commenter. Ah, il est possible que j'ai un peu plus de mal qu'elle avec les commandes, hein, parce que je découvre le jeu un peu, là. Donc je sais comment on joue, parce que je l'ai vu faire, mais j'ai fait un test de 5 secondes avant, mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, typiquement... Ce genre de truc. Ouh, mais ça va. Mais moi, je peux pas, tu vois. Moi, y a rien que le petit truc de son, ça me... Non, par contre, l'ambiance avec la poule, elle est... Ah. T'as pas le bruit, y'a tout qui bouge et tout. Mais oui, c'est ça. Du coup, sans le son, moi, pour moi, c'est... Non, mais laisse tomber. Est-ce que tu crois que c'est une façon de nous barrer la route, hein? Là, je pense que c'est les entités... Oula, Oh, oui, pardon. Fallait... Mais elle allait vers la droite, pourtant. Oh là là, mais elles sont vénères, On voit pas grand chose, hein. Ouais, c'est compliqué. Sur le retour, on voit pas grand chose. Ouh! Ça passe! On peut faire ça, c'est ça, là? Ouais, on peut faire ça. Encore. C'est bon, c'est bon. Oh la violence! Il faut quoi, Eden, là? Eden, aide-nous! Bah, c'est ça, je comprends pas pourquoi ils nous aident pas, là. Ah! Il là, faut pointer le joystick droit vers l'endroit, voilà. Ils veulent clairement pas qu'on soit là. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, en même temps, j'ai envie de te dire que si on est censé les faire chier, c'est normal qu'ils veulent pas. Hein. C'est pas. Et là. Voilà, faut laisser appuyer en même temps. Ah, en fait, faut laisser appuyer en même temps, d'accord, ok. Je vais lâcher l'autre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est quoi ce labo? Une chambre frigorifique. Ouais. C'est à peu près ça. Bon, tu veux une bonne nouvelle? S'ils sont complètement gelés, théoriquement, ils ne vont pas bouger. Théoriquement. S'ils bougent, c'est compliqué. J'arrive à sentir l'écho de l'autre côté. Ah, tu sais, quand t'es complètement gelé, t'es un petit peu raide, quoi. Tout doucement. Ouais, on peut doucement. Passer sans se faire repérer. Sans se faire repérer. Mais théoriquement, ils sont... Ils sont un petit peu au courant qu'on est là, mais c'est bien d'espérer. Elle est mignonne. Tu bouges pas, hein? Tu bouges pas, hein? Oui, il a l'air de dormir. C'est bon. D'accord. Alors là, calcul du meilleur itinéraire pour être loin des cadavres. Je crois que ça va être ici. Voilà, loin. Vaut mieux prendre ça à la rigolade. Hein. Hein, là, on passe là. Non, je sens qu'il va attraper le pied, lui. Toi, je passe très loin de toi, là. Toi, tu es suspect, avec la main tendue comme ça. Il y en a forcément un qui va se réveiller. Non. Peut-être lui? Non, regarde, tout va bien. Tout va bien, Marie. Je te dis, ils sont gelés. Ils bougent pas quand ils sont gelés. Il me faut... Oh non. Ah, c'était non. Donc là qu'était le... Ah non, bah, là-bas ils sont peut-être pas gelés du coup, attends. Non mais eux ils ont l'air mort-mort. Mort-mort? Ouais, là par contre j'ai moins confiance, tu vois. Ouais. Regarde, il y a moins de gel là quand même, hein. Oui, bah oui, on va devoir aller... Lui il a une bonne tête de mec qui a un pass, lui. Tu vois, tu vas bouger, je vais te frapper, je te préviens. Oh non. Ah, elle regarde juste? Ah oui, elle l'a juste regardé apparemment. D'accord. Il a pas de passe, c'est derrière qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi, chaque fois, aller chercher derrière. Non? Il y en aura forcément un avec non, la y a passe. Rien là. De toute façon. Là.
Forcément. Ah, la pauvre, elle a l'air de se cailler en plus, là. Non, mais lui, il fait peur, lui. J'aime pas ça. Toi, t'as une tête à avoir un passe, toi. Non ? Il n'y a rien non plus. Ah oui, d'accord, faut vraiment qu'on le voit nous-mêmes, le passe, en fait, du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passe ici ? Elle va être obligée de le retourner, là, non ? Non, même pas. Non. Ah, toi, il est peut-être sur une table aussi, tout simplement. Ah, lui, là-bas, il m'a l'air pas mal. Là. Il est dans le fond, il y a un truc qui clignote autour. Je te l'accorde. Oui, il a le passe, bien ah, vu. Ah, pas mal. Bien vu, Marie. Est-ce qu'il va se réveiller ? Et ben voilà, il est là, le passe. Ah oui, vas-y. Bah, ah, faut laisser appuyer, pardon. Faut laisser appuyer. Désolé. Un joli zoom. Non mais il a l'air quand même bien raide. Ah bah non. Ah voilà. Non. Ah ah ah. Ah oui. Oh mon dieu. Eden. Ah. Ah mais là, je sais jamais de quel côté elle va quand elle descend. En fait, il faut savoir si elle esquive. Genre, là, oui, elle c'est esquive, ça. Ouais. Si elle esquive ou si elle attaque. Là, elle est plus en mode esquive. Elle a l'air cool quand tu fais ça avec la manette. Comment tu veux t'échapper de ça? Ah, ah bah c'est pas con. Oh, ah, je l'ai, c'est plus fragile j'imagine. C'est une solution. Allez. Passe. Allez. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Là. Voilà. Ah, oh, ça fait vraiment invasion de zombies, c'est horrible. En fait, je crois qu'il est en train de leur péter la nuque, je sais pas trop ce qu'il fait. Il est pas, c'est pas violent à voir. Et il tombe comme des mouches. C'est ça. Est-ce qu'il défoncerait pas l'âme qui est à l'intérieur? C'est possible. Hein. Enfin, je sais pas, c'est déjà meilleur. On les voit pas en fait. Oh. Heureusement que t'as pas le son. Hein. Ouais. T'as la petite musique bien stressante, c'est. Ah, c'est horrible. Et là, c'est j'imagine qu'il y a plus de musique du tout. Après, je suis très tôt. C'est horrible, c'est pire. Ah, non, tu... C'est pile le truc que je peux pas. Ce que tu dis, tu les as laissés à l'extérieur. C'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est encore pire. Ah, j'avoue qu'on sait pas ce que c'est ce fameux. Condenseur. Condenseur. Ah, t'as une petite musique de merde. What? Oh, il y en a plein. C'est des entités. C'est une putain de porte vers l'au-delà, c'est ça? Ouais. On disait dans l'épisode d'avant. C'est ce qu'il disait, ouais. Oula! Bon, alors il y en a deux. Ben ouais. Bon, après, les fantômes sont pas tous méchants. Regarde, t'as Eden, toi. Ouais, mais je sais pas si. Ah, là, c'est un truc de souvenir. Ouais. Du coup, faut mettre le souvenir vers la tête de Jodie. Alors, attends, on essaie de le choper comme ça, et puis comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parfait. Ah, ça vibre, ça doit être. Il y a quelque chose qui clash. Le niveau d'énergie dans le condenseur continue d'augmenter. Il faut à tout prix l'éteindre. Vite! Ah. Ça m'a l'air sympa à l'intérieur. Me dis pas qu'il faut que t'ailles là-bas. Ah bah, si, si. Ah bah, bah, t'as bien vu qu'ils ont pas réussi à le couper de l'extérieur, hein, donc. Après, il y a un truc qui me chiffonne. Il y en a un qui clairement nous a attaqué vraiment, mais les autres, tu sais, ils nous regardent passer, ils font des petits trucs, c'est un peu bizarre. C'est comme s'ils pouvaient pas nous attaquer vraiment directement, en fait. C'est étrange. Ils l'ont fait. Un passage par l'autre côté. C'est impressionnant. En vrai, c'est. Ouais, mais sans le son, c'est tranquille. Je pense qu'il faut envoyer Eden, hein. Bah, ça y est, ouais. Il peut pas aller trop loin de toi, du coup. Ouais, non, ça a l'air d'être trop loin. Ouais, c'est trop loin. Vu la vie que ça fait. Non, mais il y avait une porte, hein. Ouais. Super. Super. Quelle bonne idée, Didi. Ah, bah, depuis le début, c'est une mauvaise idée, ça. C'est con. C'est la pire idée. Ah. Ah, non, apparemment, t'as peut-être pas besoin d'aller dedans. Non, je pense qu'il faut ouvrir la porte avec le PC. Ah. Mais ils sont gentils dans le jeu, ils te donnent des petits indices et tout, c'est en mode. Forcément. Donc la porte est ouverte, elle s'alimente d'elle-même. Cette saloperie marche pas. Pas la couper. Il va falloir envoyer Eden péter les batteries, hein.
Une autre console. Non. Si on a peut-être encore une chance. Oui, c'est pas du tout une idée à la con, ça. C'est clairement... clairement l'idée du siècle, là, je dis, franchement. Une idée digne d'un film d'horreur. Mais si on se séparait. C'est ça. Je vais foncer jusqu'à la console. Ah, tu vas devoir courir. Et toi, tu me protèges des entités, d'accord? Ah non, moi je vais devoir taper assez des entités. Je sais pas trop qui je suis là en fait. Là t'es Jeudi. Ouais, bah, cours, là, hein. La cour, mais alors comme il faut là. Pour l'instant, ils ont pas l'air de m'avoir remarqué. Je vais parler trop vite. Oh. Je sais pas trop ce que je fais en fait. Ah, apparemment, Eden il l'a défoncé. C'est le bordel. Ok. C'est bon. Tu peux les défoncer. Ouais, mais Eden il a l'air d'être un fantôme un peu pété quand même. Ah bah oui, quand même. Genre, eux c'est des fantômes, mais lui c'est un fantôme genre plus. J'ai assez hâte de savoir le fin mot de l'histoire à la fin. Oui, il y a forcément un truc avec lui. Hein. Ah bah oui, mais savoir genre savoir qui est Eden quoi, parce que. Lui on le voit pas comme ça. Oula. Merde. Ah lui on le voit pas. Bah non. On le voit, mais... eux ils sont visibles, tu vois. Il n'y a pas qu'un. Hein. Par là ou par là? Non, mais c'est... Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Ouais. L'échelle! Clairement. Aiden, fais vite! Ah, tu voulais pas tomber. Ok, ça, je commence à comprendre comment on verra Aiden. Heureusement qu'il est là. Je me disais que s'il n'était pas là, elle serait pas là, non. En partant de ce poste-là... Ça va tellement se casser, mais alors ça c'est gros comme une maison. Ah non. Oh là là. Toujours plus. Tout va bien. Aide-moi. Démon, Taïdan, non? Ouais, je sais pas ce qu'il a comme pouvoir en plus, mais. C'est ça, il fait éclater tout. Continue, je te pose pas trop de questions. C'est pas trop le moment pour se poser des questions, là tu cours. Avance. Tu avances. Ah, oula, la caméra m'a fait un tir. Ouais. T'as de la bonne musique en plus là. J'imagine. Je suis tout tendu, regarde mes épaules, elles sont. C'est bien fait pour. Oh! Oh bah oui, toujours plus! Pas loin là. Non, mais ça veut dire que c'est vraiment le pire moment. Il va falloir sauter, je dis. Je sais pas ce que ça va être futé. C'est ça. Encore, saute. Là, il y en a une dernière. Ouh, il y en a deux.
Bon, on n'a pas le temps de se poser la question, on rentre dedans. Coupe. Truc. Ça me stresse, ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Ça marche? Je crois. Ah oui, ça absorbe toutes les âmes. Ah. Ok, bonne nouvelle, c'est fermé. Là, je pense que c'est fermé. Waouh. Une belle connerie hein, de faire ce truc. Et ils ont vraiment besoin de lui faire passer un entraînement pour qu'elle rentre à la CIA après. On en parle. Là, j'avoue qu'il n'y a plus besoin d'entraînement là. Aiden, est-ce que t'es là? C'est mignon, franchement. Dottie. Oh, je n'aurais jamais dû t'envoyer là-dedans, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Bon sang, j'ai tellement eu peur de t'avoir perdu. Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage, il ne restera plus rien. Tous les militaires sont avec leur M16 et tout, leur M4, et l'autre, la game, elle sort. Moi, que j'ai réglé le problème, ils sont là. Très bien. Oh, c'est la fin du condenseur. Eh ouais. Amen. Alors, corps incanalisé manqué. Ah, condenseur désactivé. Oh, c'est possible de ne pas le désactiver. D'accord. Et c'est aussi possible de ne pas tuer le scientifique possédé. D'accord. Très bien. Bah, condenseur désactivé, ça pue si tu le fais pas, non? Bah oui, je pense qu'après, ça modifie un petit peu la suite de l'histoire, parce que s'il n'est pas désactivé... Bah ouais, enfin je pense qu'il se désactive tout seul, enfin il y a un truc qui doit faire que, parce que ouais. si tu le désactives pas, c'est la merde. Ou alors il, tu sais, il fout du plomb autour du bâtiment et plus personne n'a le droit d'y aller en mode centrale nucléaire qui a explosé quoi. Mon dieu, ah, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça aspirait tout comme un trou noir, mais bah Aiden, du coup Aiden c'est... Bah c'est parce qu'il est, il est lié, en fait ça l'a tenu. Il est vraiment lié au point de voilà. Bah écoute, du coup nous avons fini le condenseur. Heureusement qu'il était là, c'est toi qui as tout fait. C'est mon frère qui a tout fait, moi j'étais juste là. C'était moins flippant quand même. Ouais, c'était stressant, mais pas flippant comme les trucs. Je sais pas si t'aurais... J'aurais, je pense aussi, mais dans le doute, tu vois, j'aurais été vraiment... Je sais pas si t'aurais jump autant que les premiers, tu vois, où vraiment il y avait de quoi... Mais en fait, une fois que t'es dans l'action et qu'il y a plein de trucs qui te sautent dessus, ça va. C'est quand t'es dans le petit couloir et que là, le mec, d'un coup, il se lève, t'es là, ah mon dieu. Voilà, du coup, on a fini le condenseur. Heureusement que mon frère était là pour m'aider. Comme quoi, parfois, si vous avez un problème, toujours appelez votre grand frère si vous en avez un. Même sur YouTube. Voilà, toujours là, toujours là. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous retrouve du coup très vite seule pour la suite de Beyond Two Souls, où cette fois-ci, ce sera théoriquement beaucoup plus tranquille. Voilà. Et du coup, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!